On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Là, je sais pas si cette vidéo sera bien au niveau du cadrage, de l'image et du son et tout. Donc là, je suis avec mon téléphone parce que là, je suis déjà en train de partir pour l'aéroport, pour partir en Espagne. Donc j'espère que ce sera bien. Je vous ferai quelques petites vidéos. Donc là, je suis déjà avec la valise en train de partir. Donc il y a un BlaBlaCar, il nous attend. Normalement, je dois arriver pour 8h et j'arrive en Espagne à 14h. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos et j'espère mieux tourner, mais comme je suis tout seul en voyage, ça va être compliqué quoi. Allez, je vous retrouve tout de suite. Aéroport Saint-Exupéry, j'ai jamais pris l'avion donc du coup je sais pas du tout à quoi ça ressemblait. Je vais arrêter de tourner la caméra parce que ça va faire mal au ventre. Mais ouais, je sais pas du tout à quoi ça ressemblait la première fois que je prends l'avion. Donc je sais pas tous les papiers qu'il faut faire et tout et tout. Donc je sais pas, on y va. Nous voici à Santa Susana en Espagne. C'est là je suis arrivé il y a pas beaucoup de temps. Donc là je fais mon petit tour, mes petites découvertes. Donc là c'est un lieu très touristique, même très très touristique. Regardez déjà le nombre d'hôtels qu'il y a là. Et sur la longue ligne droite, il y en a encore tellement. Il y en a beaucoup. Donc
C'est une zone très très touristique et il y a vraiment pas mal de choses à voir et à faire. Donc il y a pas mal de petits stands, attendez. Des stands comme ça, il y en a des millions. C'est affreux, sur toute la ligne droite, tiens là. Ouais, là je cadre très mal. Arrivé à l'hôtel, moi qui suis parti à 7h30 ce matin et qui est arrivé du coup à 17h40 environ, donc j'ai eu plus de 10 heures de trajet du coup, et j'ai eu pas mal de soucis pendant mon trajet, j'ai eu un petit stress et j'aurais peut-être pu ne pas venir en fait, donc je suis plutôt content, là je suis arrivé, je peux me poser, je vais vous montrer vite fait la chambre, et si je peux vous montrer le reste de l'hôtel, pourquoi pas, parce que s'il y a des trucs assez cool, donc là je vais vous montrer la chambre et on continue la vidéo. Là on a la porte d'entrée assez basique. Donc avec les petits trucs, et la clim pour mettre la carte. Ensuite on a la petite salle de bain. Petite salle de bain avec un évier. Toilette bidet. Avec la serviette, les portes-serviettes, la baignoire. Le porte-serviette. Donc elle est quand même assez spacieuse, la salle de bain. Hein. Pour une personne, je pense que je vais pas trop... Je pense que je vais pas tout prendre comme place. J'ai deux magnifiques tableaux, j'espère que je vais pouvoir bien vous les prendre. Donc j'ai celui-là, là, qui représente des bateaux, quoi. Des bateaux en bord de mer, ce qui est plutôt sympathique. Et il y en a un que je trouve un peu moins sympathique. C'est celui-là. Qui se trouve juste au-dessus de mon lit. J'ai l'impression que la dame, elle me regarde. À mon avis, cette nuit, je vais pas être bien. Je vais pas être très à l'aise. Et ensuite, on a la petite chambre, donc du coup, avec le petit lit. Le petit fauteuil de grand-papa. La petite table basse, le placard. Avec le coffre-fort à l'intérieur. La petite télé qui met bien. Le téléphone, les trucs comme ça. En dessous, j'ai mon petit frigo qui met bien aussi. Tranquille, la petite chaise. C'est une chambre assez... Elle est assez grande pour tout seul, mais bon, je trouve, notamment suite à ce tableau et à cette chaise, puis même les rideaux, ça fait un peu vieux, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça me convient. Je reste pas là 3 semaines, donc ça passe. Dans cette vidéo, il y aura tellement de cuts, j'espère que ça sera digeste, parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer. Et là, je fais juste le tour de l'hôtel. Donc du coup, un peu plus loin, il y a certainement beaucoup plus de choses. Là, on a un petit parc d'attractions pour les enfants. Assez sympa. On a pas mal de petits kiosques aussi comme ça sur le long de la rue. Des trucs assez cool, des petits souvenirs qu'on peut rapporter chez nous. Mais je vous montrerai. Encore et toujours plus de stands. On a un peu tout, on a de la coiffure, on a des chaussures, on a des souvenirs, on a de la bouffe, on a des hôtels. Toujours des hôtels. On a pas mal de choses, donc... Faudrait que je fasse une sélection parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Là on arrive à l'hôtel. Donc voilà, ça va quasiment être la fin de la vidéo. J'espère pouvoir vous montrer la plage dans cette vidéo. Regardez tous ces stands, là il y en a un. Il y en a plus un peu plus loin là-bas. Il y en a tellement, on a aussi pas mal de trucs. Là il y a des bars, il y a de quoi manger. Encore un hôtel. Et il y en a encore un plus loin là-bas. Ça, c'en est aussi certainement un. Là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça y ressemble beaucoup. Là, un petit centre commercial qui fait plaisir. Comme ça, au moins, si on cherche quelque chose, on est sûr de trouver. Mais les stands, là, il n'y en a pas tellement, mais là, ils poussent petit à petit comme des champignons. Et comme j'ai plus de batterie dans mon téléphone, on va dire que j'ai moyen, bof, bof, envie de me perdre, quoi. Comme ça, au moins, quand j'aurai un peu plus de batterie, je vous montrerai plus de choses, parce que... Voilà, c'est pas très très cool de se perdre quand même. Pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer la plage. Donc c'est une toute petite plage avec pas beaucoup d'activités.
ni d'animation, et il n'y a certainement pas de chaise pour s'allonger au soleil. Donc je vous montre la petite plage qui est à 5 minutes de l'hôtel. Donc là c'est une partie de la plage, de la petite plage bien sûr. Donc le manque d'activité visible bien sûr. La petite plage qui va juste là en fait. Je pense que j'aurai assez de zoom pour vous montrer le bord de la fin de la plage. Et il n'y a pas du tout d'activité, on s'ennuie. Et la journée, il n'y a pas du tout de vendeurs qui nous vendent des t-shirts, il n'y a rien du tout. C'est une petite plage toute banale quoi. Sans activité ni rien. Sans activité, c'est trop triste.